Assez toi-même, tu n'es pas simple pour aller témoigner contre quelqu'un. Non, j'espère que c'est faux, quoi, que les gens racontent n'importe quoi. Parce que souvent aussi, les gens racontent n'importe quoi aussi. J'espère vraiment que ça soit faux. En tout cas, j'apporte mon soutien à Peter ce matin. Dans cette ville, Jésus a ses disciples, le diable également a ses disciples. C'est la vérité qui est là. Vous comprenez, non? Quand Dieu créait les gens, quand il a vu ce monde, il a bien, il a dit, oh, moi je la crée pas. C'est toi le diable qui dois la créer. Parce que son cœur est trop sombre, je ne peux pas. Oh, je refuse. Parce que je ne peux pas comprendre comment on peut se lever comme ça. Toi-même, tu es enceinte. Au lieu de penser à toi-même comment tu vas accoucher ton gosse. Au lieu même d'être dans la prière pour qu'ils ne prennent pas ton cœur. Maman, tu parles sur EK. C'est comment? Conan, je ne confirme rien. Je n'affirme rien. Il paraît que on l'a appelée. Elle est partie parler, mais contre Peter Pan. Ma chérie, tu étais là-bas. Ou c'est dans la sorcellerie que tu as voyagé? L'histoire même me dépasse, j'ai oublié de vous saluer. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Appelez-moi Raina Benz. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et s'il vous plaît, likez en masse. Merci pour ceux qui s'abonnent parce qu'on est en train de grandir de jour en jour. Hein? Maman, tilapia, on peut être sorcière jusqu'à ce point. Je ne sais même pas pourquoi tu n'es pas parti même postuler pour Harry Potter. Parce que tu serais vraiment une véritable sorcière. Même le film même de la famille Addams, il t'aurait même recruté. On peut être une sorcière comme ça. Tilapia. Et puis elle dit gaillardement, j'espère qu'elle n'est pas partie faire ça. Mais elle a raison si elle fait ça. Ho ha! Après tout ce qu'elle a subi, Emmanuel Keta. Des injures, des calomnies, hein? Tout ce qu'il y a, l'acharnement, que ce soit l'harcèlement. Mais sincèrement, vous avez le courage quand même de vous dire non, j'espère pas. Mais elle est dans son droit, hein? Ah oui. Pendant combien d'années vous avez été sur elle? Et puis c'est vous qui voulez en fait menacer la dame? J'espère qu'elle n'est pas mariée. Elle a raison de partir. Donc, elle, son cœur est en marbre et puis les autres ont un cœur en chair. Je ne me réjouis pas en fait du fait que Peter Pan soit derrière les barreaux. Non, loin de là. Parce que je pense à sa mère, je pense à sa tante, je pense à ses enfants, même à ses ex même. Mais à un moment donné, stop. On ne peut pas en vouloir à Emmanuel Keïta d'avoir une once de volonté de vengeance. On ne peut pas. On ne peut pas. Si tu as un cœur, à moins que tu aies un cœur hein, qui est noir, on a piétiné. Si tu as un noir, on dit, si tu as un cœur, on dirait le fétiche de Kirikou, qui te ressemble à toi, tilapia. Tu peux pas. Tu es une femme comme tant d'autres. Tu peux pas accepter. Aujourd'hui, tu es enceinte. J'ose espérer que cet enfant-là, c'est une femme. Est-ce que tu voudras qu'on fasse ce genre de choses? Nous tous, on cherche l'argent sur le métier. Hein? Mais on a quand même nos limites. Mais toi, tu vas trop loin. Tu n'as rien confirmé, tu n'as rien affirmé. Je ne confirme pas que tu as dit tout ce que j'ai dit là. Mais le fait d'y penser, ça ne se fait pas. Toi, en tant que femme, tu ne peux pas l'accabler si elle arrivait à penser à ça. Vous avez vu tout ce que vous avez fait? C'est parce qu'en fait, vous ne pensez pas comme ça, à la psychologie de la personne, vous ne pensez pas à ça. Vous avez détruit même sa confiance envers les autres. De quel marbre êtes-vous fait? De quel marbre est fait votre cœur? C'est la question que je me pose. Emmanuel Keta, peu importe, hein, ce gars va décider de le faire. Emmanuel Keta, je te soutiens. Je te caleçonne. Je te stringsonne. Je te soutiens. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez la femme respirer. Même si elle vous nourrit sur le méta. Laissez-la respirer. Laissez-la reprendre son souffle.
C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? On sait tous ici que si vous vous ruez sur elle, c'est parce qu'elle rapporte en fait de quoi manger sur vos tables. C'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Elle nourrit. Elle est même en train de préparer les couches même de ton enfant qui se trouve dans ton ventre là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais lâchez-la à un moment donné. Lâchez-la. Heureusement que c'est une femme forte. Vous attendez quoi en fait? Que la personne mette fin à ses jours pour que vous compreniez que non, vous allez trop loin? Hein? Vous savez, souvent on dit vendre son âme, c'est peut-être aller chez un féticheur, aller chez un marabout, faire des pratiques. Non. Sur internet, tu peux vendre ton âme en étant assoiffé de l'argent. Et en étant assoiffé de l'argent, tu peux arriver jusqu'à t'acharner ou encore à harceler quelqu'un, bêtement et inutilement. Mais par contre, le game, il faut le différencier de l'harcèlement et de l'acharnement envers une seule personne. Quand on est plusieurs sur une seule personne, là, on est considéré comme un lâche. Vous comprenez? Sur Emmanuel, ça peut être le game pour certaines choses. Mais sur Amon Chik, ça peut être le game. Ou bien encore sur Eunice Zunan, c'est le game. Mais par contre, quand il s'agit d'Emmanuel Keita, ce n'est plus en fait le game. C'est de l'harcèlement et de l'acharnement. Et je suis vraiment triste de savoir que même les chaînes de télévision, quand ils ont vu cette émission-là, où il y avait un homme qui salissait ouvertement une dame, on n'a pas pu dire stop. Personne n'a pris la parole pour dire trop c'est trop. Ils sont tellement abonnés sur des histoires de cri, sur des histoires inconsistantes, sur des histoires de ouais tu as bloqué Kadena ton mari, qu'ils ferment les yeux sur tout ça là. C'est une honte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci à vous. Au revoir. À la prochaine.